Petite balade atypique dans la nature, des murs et des hommes est une exposition de photographies dans la forêt à la vue des Alpes. Les clichés de la bernoise Monica Flutiger documentent ce site touristique et le récent travail de réfection des murs en pierre sèche. Ce projet a été initié par une équipe du parc Chastral. Les murs, donc comme on voit celui derrière, ont été restaurés il y a 2-3 ans. C'est un projet qui continue. Au total, il y a déjà presque 1 km de murs qui ont été restaurés dans le cadre du parc Chastral. Des projets menés avec des requérants d'asile et un murtier professionnel. Et puis on s'est dit que c'était intéressant que les gens en fait découvrent ce patrimoine, et pour les amener là, on a ce parcours de 5 km. La boucle commence au parking du col, et pour ne pas se perdre, 50 petits bonhommes indiquent le chemin. Tout d'un coup, si on regarde à gauche, on voit la photo. Comme ça, il y a un dialogue bonhomme, photo, parcours. Et pour agrémenter la visite, une vingtaine d'installations de land art décorent les lieux. Dans les espaces, on mérite faire un arrêt pour regarder un petit peu mieux. Et des fois, on a créé des offres land art pour attirer l'œil, on va dire, pour rencontrer d'une manière très particulière une chose qui il paraît naturelle, mais elle n'est pas vraiment naturelle. La laine, c'est une matière naturelle. Et en plus, ce sont des moutons qui pâturent dans le parc et ça c'est rare. Ce premier volet du projet Art en vue, qui vise à valoriser le patrimoine culturel et paysager, est à visiter par tous les temps jusqu'au 26 octobre.